bien bonjour à tous les amis, c'est le Jumper, j'espère que vous allez bien les gens. Écoutez, moi ça va plutôt nickel, comme d'habitude. C'était quoi ce cri? Non mais c'était toi? Ouais, je pense qu'à mon avis c'était bien lui, ouais. Et aujourd'hui, les gens, on se retrouve, oui j'en rigole d'avance car on se retrouve pour découvrir, écoutez, les jeux les plus bizarres. Tout simplement basé sur Piggy, voilà. Donc en gros tout ce qui a été un petit peu hein, des jeux de fun, tu vois, on peut dire ça comme ça. Ou aussi également tout ce qui a été un petit peu inspiré, comme vous le voyez, what. Il y a fait un jumper en... Non mais c'est quoi, c'est une Ferrari ça ou quoi? Non mais mec, je savais même pas que c'était possible d'avoir une voiture autour de soi comme ça, mais regardez, c'est tellement la classe. Du coup on est parti les gens. Non mais déjà ça commence bien, à quel moment tu crois voir un Fuel Jumper en bagnole comme ça quoi, au calme. Et du coup comme vous le voyez, on se retrouve du coup pour une première map nommée tout simplement l'arène 51 de Piggy. Et je pense que ouais, ça va être assez étrange déjà de voir Piggy dans la zone 51. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire, peut-être que c'est ça le véritable secret. Et dans ce jeu-là, les gens, on peut tout simplement poutrer Piggy. Voilà. Ouais, mais c'est avec. Ouais, mais on peut totalement le faire. C'est totalement normal. Voilà. Donc, du coup, on les voit un petit peu dans cette zone 51 où se cache le fameux Piggy. Attends, what? Il y a un camping dans la zone 51? Ah. Tout s'explique alors. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Il n'a pas eu deuxième place dans sa bagnole là, parce que c'est vrai que ça serait quand même plus rapide. Ah, on a Jason. Comme vous le voyez, on a Jason qui est totalement opérationnel. Ça va Jason? Tranquille? Ouais, ok, on va le laisser tranquille. On va le laisser tranquille, voilà. Donc du coup, le but c'est tout simplement, bah écoutez, apparemment, de poutrer un maximum de tueurs possible. Et attends, est-ce qu'on peut récupérer... Oh, on peut récupérer les armes ou pas? Mais non, attends. Je peux pas. Ah si, je peux la prendre. Par contre, ouais, non mais on me roule pas dessus s'il te plaît, voilà, merci. On peut prendre. Non mais c'est quoi? C'est une M16, très bien. Alors c'est vrai que ça ressemble quand même un petit peu à la zone 51 que j'avais fait il y a un moment de cela. Mais attends, je veux Piggy moi. Oh, je suis venu là pour l'autre rose là. Ok, donc du coup, est-ce que je peux ouvrir cette porte? Ouais, c'est bon, ok, je peux ouvrir cette porte. Très très bien. On dirait, oh j'ai cru que c'était un ascenseur. Alors on va rester armé quand même dans le... Oula, j'ai un problème avec mon bras gauche là, non? J'ai un problème avec mon bras gauche. Alors, je ne vois toujours pas Piggy, je sais pas si c'est normal. Peut-être que il a déjà été poutré. Je ne sais pas. Mais tu me diras, ça a l'air tellement grand ici. Oh. Ah, attends, ils sont peut-être tous là. Imagine, ils sont tous là. Je crois que j'avais vu Jason. J'ai un doute. Ici, on a quoi? Ah oui, non, c'est les cellules. Oh, c'est ici qu'on vient en fait. Très, très bien. Bah écoutez, je pense que par là... Ah, il y a Sonic. J'ai vu Sonic. Ah, bonjour monsieur. Effectivement, il y a Sonic.exe qui est ici, qui est avec nous, très bien. Piggy doit pas être loin. On va rester armé dans le doute. Ok, oh, il y a de la thune ici. What, c'est quoi là-bas? Ok, on a un alien. Bon, pour la zone 51, j'ai envie de te dire, ça peut être logique. Ça peut totalement... Ah, on a Granny, mais non. Il y a Granny. Ok, alors attendez, on va s'occuper de Granny d'abord. Oh, what? Alors, je sais pas si elle fait mal, mais... Alors, l'argent va directement dans le... dans la poche, ça roule, très bien. L'alien, seigle est terminé. Ok, alors Granny, ça elle respawn là-bas, très bien. Et à mon avis, je pense que Piggy doit être dans une autre pièce. Ah, c'est obligé. T'en as qui là-dedans? Excusez-moi, est-ce que c'est possible de... Ah, bah tiens, regarde, je crois qu'on a trouvé Piggy, c'est là où il y a masse monde. Allez, on essaie de la poutrer. Non, mais c'est quoi ça? C'est... Oh, what? Attends, elle a un autre visage en dessous de son masque. Mais non, ça veut dire que c'est un costume depuis le début. Oh là, c'est quoi? Ah, c'était lui qui faisait ses cris là, d'accord. Ok, je comprends. Ah oui, regardez. Non, mais what? Non mais c'est vraiment ça là, visage sous le... Ok, sous le costume, d'accord. Donc c'était un fake Piggy en fait, c'est ça? Ah bah là, il n'y a même pas de visage, d'accord, c'est juste la... Ah voilà, elle était là, ok, très bien. Ok, donc ouais, c'est... Ouais, c'est assez étrange, ouais. Alors, le scientifique... Oula, non, doucement avec la tronçonneuse. Ok, c'est bon. Oh, la tête qu'il avait, quoi. Oh, c'est un délire. La tête qu'il avait. Alors du coup, je récupère du cash. Ça roule, et du coup avec ce cache là je pense qu'à mon avis je peux accéder aux autres niveaux que j'ai vu au tout début. Alors en vrai tu te mets là mais attends, mais tu fermes la thune en masse en fait, regarde. Parce qu'il peut pas monter, on est d'accord. Ah oui, mais tu peux pas le tirer dessus, attends, est-ce que si je me mets comme ça? Ah bah je peux le tirer dessus comme ça, non mais what? Non mais c'est complètement bugué. Mais c'est complètement abusé quoi. Et si je me mets là, est-ce qu'il peut passer là? Au niveau du bureau, est-ce qu'il peut passer au dessus du bureau ou pas? Ah bah d'accord, je peux le tirer dessus sans qu'il fasse rien. Ah, bonjour Sonic. Un petit souci, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, Big Mac, c'est ça? Bah maintenant, c'est autour de Piggy. Oula, sa tête, elle a tellement roulé, c'est abusé. Sa tête, elle a tellement roulé, voilà. Donc je pense que le but, c'est ça, en fait. C'est vraiment de buter tous les joueurs, enfin, tous les tueurs. Oula, non, non, non. Non, mais attends, mais cette arme, elle est trop pétée, quoi. Mais c'est un délire, regarde. Le scientifique, il réagit même pas, quoi. Non? T'as rien d'autre à dire, toi? Ok. Du coup, si je retourne au spawn, est-ce qu'on peut accéder à un autre niveau ou pas? Parce que je suis niveau 4, quand même, hein. Ah bah voilà, ça tombe bien. Regardez, pour aller dans le... Ah, c'est un TP. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Très bien.
Ok, en fait, c'est juste un TP pour arriver plus rapidement aux cellules. Bon, maintenant, les gens, le jeu qu'on va tout simplement tester est en fait Non, mais je sais même pas comment expliquer ça, en fait. C'est un jeu Piggy, mais totalement bugué, quoi. Non, mais totalement... Déjà, t'entends la musique, tu te dis, bon, c'est bon. Là, on est vraiment dans une ambiance, tu vois, un peu glauque et tout, mais regardez ça. On est tranquillement dans une cabane, dans un arbre. Non, mais c'est quoi cette ambiance? Et en bas, c'est là que le massacre... Il y a une voiture qui roule tout seul. D'accord, je viens de tomber de l'arbre. Et qu'est-ce que... What? Mais qu'est-ce que c'est que ce Piggy? Mais qu'est-ce que c'est que ce Piggy là? Non, regardez comment il est énorme et sec. Oh là là, non, ça ne rien comprendre. Il y a des voitures qui volent. Il y a des Piggy musclés. Non mais c'est quoi ce délire? Non mais totalement bodybuildé quoi. Non mais regardez ça. Non mais c'est vraiment un Piggy. Non mais bodybuildé avec Baldi tout. Mais regardez, regardez cette tête des enfers. Non mais what? Mais what? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non mais je veux... Je veux ce Baldi et ce Piggy dans le jeu de base. Non mais franchement... Oh, Pikachu, c'est... Il va tomber. Il va tomber, c'est sûr qu'il... Il est tombé. Voilà, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait tomber. Ok. Alors, j'ai vu qu'on pouvait acheter effectivement une espèce de tapis volant, mais... ouais, c'est bien. Oh, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il y a peut-être moyen de prendre une voiture, non? Oh là là, c'est quoi ce Piggy? Mais what? Regarde, oula, il a pas aimé ma punchline. Oula, attendez. Oula, oula, oula. Non, non, s'il vous plaît. Non. C'est quoi cette tête? C'est quoi ces muscles? Non mais là il a pris de... Non c'est pas possible. Attends, il a pris quoi? Il a pris des protes ou quoi? Ok, alors bon, j'aimerais bien prendre la voiture mais je crois pas que ça soit possible. Oh 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 si. Oh attends, il y a moyen. What? Mais attends, je veux cette voiture. Je veux... Oh ok, c'est bon. Attends, il s'éloigne. Je veux la bagnole. Oh, je peux la prendre. Oh, je la prends. Oh oui, je me casse avec. Yes. Yes. Ok, on a un transport et... Oh. Qu'est-ce que c'est? On dirait un Piggy mi-Lego, mi-muscle. Non mais, mi-bodybuildé quoi. Regardez ça! Ah, il a pété ma caisse! Il a pété ma caisse! Mais c'est quoi cette tête? Alors lui, je me rappelle bien aussi le beer. Non mais, laisse tomber! C'est même pas la peine! Oh là 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 là, mais c'est quoi ce jeu? C'est totalement abusé! C'est totalement dans l'abus! Non mais là, tu viens ici, tu débranches ton cerveau direct là! C'est abusé quoi! Ok, alors là, il y a un Baldi avec Bear qui me suit. Attends, est-ce qu'ils vont tomber ou pas? Attends, il y a moyen. Regarde, oh, ça va tomber. Si je tombe, il tombe, regarde. Si je tombe, il tombe. Ah, mais ce jeu, c'est vraiment un délire quoi. Voilà. Non, mais pourquoi pas? Non, mais ça serait quand même énorme qu'on ait cette espèce de Piggy bodybuildé dans le jeu. Vous imaginez le truc? Bon, quoique, je pense qu'il serait pas vraiment possible. Ça serait pas vraiment possible qu'il puisse passer les portes, mais bon, là, voilà. Ça pourrait être fun pour un mode de. Ouah, attends, qu'est-ce qu'il vient de voler là? Allez, ok, alors il y a Baldi qui essaie de me choper. Non, non. Ah, je peux courir. Ah, nice. J'avais pas vu que je pouvais courir. Ah, bah voilà, c'est bon, plus besoin de voiture. Ah, quoique Piggy, je crois que j'ai l'impression qu'il court quand même vachement vite. Oh là là, il a bossé les jambes. Il a bossé les jambes. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez cette tête. Non, mais il est tellement baraque, c'est abusé, quoi. Il est beaucoup trop baraque. Ouais, c'est bon, en fait, quand tu cours, tu peux le semer. Très, très bien. Et le Pikachu, quoi. Non, mais est-ce que je suis... Non, mais... Je vais même pas en parler. Je suis vraiment obligé d'en parler sans déconner. Non mais regardez ça quoi. C'est Pikachu quoi. Ah bah comme quoi, il y a de l'entraînement qui se fait quand il est dans la Pokéball. Et enfin pour terminer les amis, je vous présente le véritable Obi Piggy. Oui, oui c'est moi Baldi. Non vous inquiétez pas, je suis pas derrière lui. Mais oui, on dirait pas qu'on est sur Piggy. Ah si, attendez, voilà. C'est mieux là, non? Voilà, donc oui, effectivement, c'est le, bah, c'est le lobby officiel de Piggy. Voilà, donc il y a un peu de Minecraft quand même là. On dirait vraiment de la lave, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc du coup, on peut effectivement jouer Baldi, mais c'est vrai que... ouais, heureusement qu'il y a Piggy derrière, parce que sinon, franchement, honnêtement, j'aurais pas remarqué que c'était vraiment un Obi Piggy, quoi, honnêtement. Non, mais parce que le reste, on dirait clairement un Obi classique, tu vois. Mais bon, du coup, voilà, effectivement, c'est apparemment... Voilà, le Obi Piggy. J'ai l'impression que d'ailleurs en Baldi, on saute vachement plus haut quand même. Par contre, la tête qu'on a, quoi. Oh, il est toujours aussi magique, hein. Franchement, il est tellement beau gosse. Ah, franchement, regardez-moi ça, quoi. Regardez la dégaine quand il marche. Et tout va bien. J'ai pas du. Ah bah bon, moi c'est réglé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment il mettait ses mains en mode. Ah bah, je crois que je suis tombé. Ah bah super, parce qu'en plus de ça, quand tu tombes, tu perds totalement le skin Baldi en fait. Ils auraient pu me le laisser quand même. Attends, c'est le seul truc que je pouvais avoir dès le début en bonus, tu vois. Donc du coup, bon on va continuer un petit peu. De toute façon, en vrai, bon, ça va. Il y a quand même plus dur comme hobby. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un hobby. Ça m'avait presque manqué, tu vois, les maps parcours. Ah, j'ai envie de te dire, regarde-moi ça. Oh là là, j'ai dépassé la personne. Et en plus de ça, elle est tombée totalement dans le
David et Seven Jumper qui enchaînent. Non mais honnêtement, les checkpoints, ils sont quand même vachement cool parce que, regardez, là t'as juste, allez, une dizaine de disques à passer et voilà, ça y est, là t'as un checkpoint, tu vois, on est tranquille. Reste quoi là comme... Ah, bah je dis ça mais je viens de tomber. Non mais c'est bon. Oh les gens, c'est bon, regardez, j'y suis presque. On arrive bientôt à la fin du Piggy Obi. Et d'ailleurs, oui, alors ça ressemble pas totalement au même. Parce que regardez, il y avait pas ce Piggy là tout à l'heure. Parce qu'en fait, comment vous expliquer en fait, l'autre Obi justement du Piggy, c'est encore plus drôle que ça. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à la moitié de l'Obi, hein, c'est-à-dire donc ça fait plus de 10 minutes hein, quand t'essayes de faire le parcours et tout. Déjà, si tu galères pas, bien sûr. Et bah en plus de ça, ça te TP dans une autre game. C'est-à-dire que tu vas dans un simulateur. Voilà, donc voilà, donc ça sert à rien quoi. Voilà, donc du coup, on arrive bientôt à la fin, ça y est, on l'a fait. Alors attends, est-ce que OK, d'accord, on peut prendre toutes les cases à gauche. Ça n'est pas un problème, très bien. OK, on passe là tranquillement. Voilà. Oh la cordelette. Oh la cordelette. On y est presque, la liane plutôt, dirais-je. Et là ça y est, à côté du hand spinner et du chien, on se retrouve devant. Ah, devant Piggy, mais voilà, ça y est, on y est presque, voilà, c'est bon, devant Piggy, voilà, un Piggy quand même assez, assez immense avec sa batte et tout, voilà, regardez la taille, oh, c'est un délire, voilà, et attends, on peut passer là ou pas? What? Ah non, il y a un mur. Ah, il y a un mur invisible. Ok, non, parce que je vois une route, moi, donc j'y vais, je me dis, j'y vais, hein, c'est plus rapide de passer par là au lieu de faire le tour, et voilà, et là... Attends, on dirait clairement la cabane de l'autre jeu que j'ai fait tout à l'heure. Non mais c'est clairement ça quoi. Non mais bon, en plus petit, ah, bien sûr, ah bien sûr. Mais voilà, et bah écoutez, les gens, c'est tout pour ces découvertes de ces trois jeux Piggy complètement. Ouais, étrange, ouais, 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 c'est assez what the fuck, on est d'accord. J'espère que ça vous a quand même assez plu. Au moins, vous ne tomberez peut-être pas dans le piège. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de likes. Moi, honnêtement, j'ai tapé des barres, mais c'est un délire. C'est quoi ces jeux? C'est quoi ces maps? Voilà, bon, ça reste quand même assez fun. Au moins, c'est pour ça que je sais quand même aussi tester. Hein, parce que dans le fond, bon, j'ai quand même bien rigolé. N'oubliez pas aussi également de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie grandement, les amis, c'était Jumper. Et je vous dis du coup, à très bientôt. Ciao, les amis!